Combien de cartes? Donne-moi deux. Combien tu en prends, toi? Deux pour toi, et le donneur en prend une pour lui. Très bien. Tu vas être 5 rubis, à toi de parler. Je vois tes 5 et je relance. Je relance de 3. Toi, t'es en train de bluffer. Eh ben, viens y voir. Eh ben, je vois, qu'est-ce que tu as? Quinte floche. Combien est-ce que je te dois? Disons, pour simplifier, 500 000 doublons d'Espagne. Mm-hmm. Et 2,5 $ cash pour l'achat de cette belle carte. Pour ça? Mm-hmm. Où est-ce que tu l'as eu? Jacques, les trois doigts. Un trésor englouti, rien que 11 galions espagnols. Je crois que Jacques, les trois doigts nous truande. Je ne pense pas. Voilà les récifs. D'accord, qui est-ce qui descend le premier? On va le jouer l'italienne. Allons-y. Doué! C'est de loi. Toujours beaucoup avec ton collant noir. Bravo.
mets l'huître noire sur le neuf rouge. Ah, merci. T'as trouvé quelque chose? Ouais, une demi-douzaine de requins. Oh, bah, t'as dû te sentir moins seul. Aucune trace de ces 11 galions? Non. Ah, bah, tout de même, t'as dû voir quelque chose là-dessous. Oui, le cadavre d'une blonde. Le cadavre d'une blonde? Et elle était belle? Qu'elle ait été belle ou laide, ça n'a plus d'importance maintenant. Garde-côte. Ici le straight pass. J'appelle les gardes-côtes. À vous. Straight pass, ici garde-côte. Ici le straight pass. Il y a le corps d'une femme blonde qui flotte au large de Four Way Rocks. Est-ce un danger pour la navigation? Est-ce un danger pour la navigation? Non, mais il y a une blonde un peu triste qui se balade avec un bloc de ciment. Terminé. Bien reçu, straight pass. Un danger pour la navigation. Je ne supporte plus ces autopsies, ça me dégoûte. Et dire que j'avais un brillant avenir en pédiatrie. Ah, ça va, Jérôme, ça va. Elle était morte quand on l'a jetée à la mer. Il y a très peu d'eau dans ses poumons. Et avec quoi on l'a tuée? Un couteau avec une lame longue et mince, introduit sous le sternum en montant vers le cœur. Un travail de spécialiste. L'autopsie n'a rien révélé d'autre? Non, sauf qu'elle n'a jamais eu d'enfant, bien qu'il n'y a aucun doute qu'elle avait des relations avec les hommes. Elle avait manifestement tout ce qu'il faut pour être mère. C'est tout? Mmh. Quelle magnifique hanche! Quelle magnifique hanche! Coller les pieds de quelqu'un dans le ciment, c'est démodé comme les mitraillettes dans les boîtes à violon. Celui qui a fait le coup était persuadé qu'on ne la découvrirait jamais. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas eu de chance. Il l'a balancé à peu près à l'endroit où les 11 galions ont été coulés en 1592, avec leur chargement d'argent et d'or. Bravo, pourquoi tu lui passes pas la carte? Et paie-lui un scaphandre aussi. Ça ne marche pas fort à la mondaine, Rubin. Tu devrais aller travailler un peu. Oh ben, j'ai eu une semaine fatigante. J'ai personnellement fait boucler deux barres et expédié chez elle 6 jeunes personnes en perdition, mais j'ai aussi assisté à plusieurs parties fines. C'est claquant. Oui, les mondanités fatiguent toujours beaucoup. Je te fais confiance. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de client? Tu serais inquiet pour moi, Dave? Tu es le seul détective privé que je connaisse qui possède un yacht et qui n'a pas de quoi se payer à dîner. C'est pas vrai? Lieutenant? Oui. Voici la liste des personnes disparues. Merci. Bon, à bientôt. Attends, c'est pas terminé. Je ne te comprends pas, nous l'avons trouvée, elle est à toi maintenant. Il ne reste plus assez pour qu'on la reconnaisse. Vous avez pensé aux empreintes digitales? Il n'y en a aucune. Dis-moi si elle est là-dedans. Oui. C'est Manny. Qui? Et ton bookmaker. Oh, c'est Manny. Tu n'as plus de nouvelles de moi, je suis mort. Les photos, regarde les photos. Il a quitté la ville. Pourquoi est-ce que je devrais savoir où il est? Non, écoutez-moi, si vous téléphonez encore une fois sur ma ligne directe, je vous jure que je vous fais mettre en tôle comme travesti. Il est très moche en mini-jupe, j'arrête pas de lui dire. Elle n'est pas là-dedans, Dave. Il va y en avoir d'autres. Nous avons lancé un appel à la radio et à la télévision. Bon, vous n'allez tout de même pas me demander de venir toutes les 5 minutes parce qu'une femme blonde aura laissé choir son mari. Est-ce que tu as beaucoup mieux à faire? Oui. Quelle heure est-il? Dépêche-toi, Rubin, il est l'heure de prendre un verre. Excusez-moi, lieutenant. J'ai terminé, mon chéri. Ben. C'est tout ce que tu voulais, chéri? Oui. Non, maintenant, va nettoyer le bac à poissons. Et après, chéri? Prépare les asticots. D'accord. Salut, Tony. J'ai un tuyau sérieux pour la 4e course. Dernier tuyau que tu m'as donné, fuyette partout. Oui, mais celui-là, je te jure qu'il est bon. Bon, alors dépêche-toi de le prendre pour toi. Tu voudrais que je joue aux courses? Ah, il y a des messages. Birdie, il y a des messages pour Tony. Oh oui, John, chéri. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi de lui donner. Tu l'as noté, mon chéri. Oh, c'est vrai, je l'ai même noté entre la 7e et la 8e. C'est un bonhomme qui veut te voir, je crois que c'est un nouveau client. Donne-moi le message, je ne discute pas tant. Il a dit que c'était particulièrement urgent. Ah. Je sais pas qui c'est, je n'ai que l'adresse. Il ne t'a pas donné son nom? Non, que l'adresse. 314 Sud-Ouest Causeway. Thank you.
Laquelle êtes-vous? Sandra ou Maria? Ah, t'es un malin. On s'entend mieux avec les gens qui ont de l'humour. Est-ce que tu ne connaîtrais pas une autre histoire? Tu connais celle de la puce et de l'éléphant blanc qui est amoureux l'un de l'autre et... J'espère que tu me raconteras la suite. Jette ce revolver sur la chaise et en vitesse. C'est vraiment culotté ce que tu as essayé de faire. J'adore les gants culottés. Compliment, vous êtes rapide pour votre poids. Ouais, ça surprend toujours les gens. Ça les surprend tellement que plusieurs en sont morts. Qui êtes-vous? Je suis détective privé, c'est d'un banal. On m'a demandé de passer ici. Fais-moi voir ta carte. Ouais, c'est bien toi. C'est moi qui t'ai appelé, Rome. Oh, vous devriez ranger ce flingue, un accident est si vite arrivé. Veuillez m'excuser. On n'est jamais assez prudent, vous savez ce que c'est? Oui. Asseyez-vous. Vous êtes bien? Oui. Allons-y. Cette blonde que vous avez ramassée au fond de l'eau, de quoi elle avait l'air? D'une morte. Ouais. Est-ce qu'elle avait un petit grain de beauté de ce côté-ci? Je ne sais pas, nous n'étions pas assez intimes. Ouais. Mais de toute façon, ça peut pas être Sandra. Elle est trop futée. Si elle n'est pas ici, c'est qu'elle a fichu le camp avec un gars. Je vous engage. Je ne voudrais pas être indiscret, mais je suis engagé pour faire quoi? Je veux retrouver Sandra. Elle habite ici avec une bonne femme espagnole, mais personne ne l'a encore vue. Pourquoi vous ne vous renseignez pas auprès de la dame espagnole? J'ai mon idée là-dessus. Vous allez me la trouver et me la ramener. D'accord. Mais je tiens à vous prévenir, c'est 100 dollars par jour plus les frais. C'est embêtant, je ne suis pas très argenté en ce moment. Ça m'enlève un léger complexe. Mais hélas, mon bookmaker ne comprendrait pas que je travaille à l'œil tant que je n'aurais pas payé mes dettes. Très bien. Tenez, contre cette montre, vous pouvez avoir 300 dollars chez ma tante. Vous garderez le reçu, je vous le reprendrai à un bon prix dès que je me serai fait un peu de fric. Ouais, entendu. Encore une toute petite question. Pourquoi voulez-vous retrouver cette jeune femme? Tout ce que vous devez savoir, c'est que je vous ai demandé de la trouver. Et moi, quand je donne des ordres à quelqu'un, il a intérêt à faire ce que je lui dis. Vous pouvez me croire. Oh, mais je vous crois. J'ai rarement vu quelqu'un de plus sincère. C'est très agréable, un homme intelligent. Autre chose, comment est-ce que je vous joins? On ne me joint pas. Vous ferez signe. Et n'essayez pas de me filer. Je détesterai quelqu'un qui aura envie de me filer. Mais cette idée ne me viendrait pas à l'esprit. Ah, et comment vous appelez-vous? Gronsky. Waldo Gronsky. Waldo? Waldo. Waldo. Paye un verre, mon chéri. Elle belle gueule, t'as pas envie de faire l'amour? J'ai pas un sou, on fera l'amour une autre fois. Tâche de rester aussi amoureuse. Je cherche Maria Barreto. C'est la fille avec les pastilles. Oh, laisse tomber, c'était fauché. Il nous reste la ressource d'aller prendre un bain de soleil. Mais qu'est-ce qui te passera de l'huile dans le dos quand tu seras brûlé? C'est le point délicat. Faut que j'aille travailler un peu. Pourquoi tu ne reviendrais pas quand tu auras ramassé un peu de pognon, mon chou? Je pourrais te donner des idées. Je crois que c'est déjà fait. Salut, mon cœur. Bonsoir. Alors, on voudrait se distraire un peu? Pourquoi pas? Vous pensez à quelque chose de précis? J'ai des tas d'idées originales. Il faut juste me mettre en train. Pensez pas qu'un verre ou deux vous mettrait en train? Essayons toujours. Voilà, apportez un magnum. Je voulais du champagne. Apportez-lui ce qu'elle demande. Oui, monsieur.
sais toujours pas ton nom. Tony Rome. J'aimerais savoir où est Sandra Lomax. T'es un de ses amis? Oui et non. C'est drôle, je me souviens pas qu'elle m'ait parlé de toi. Elle m'a jamais parlé de toi non plus, mais le monde est petit. Ah ça oui. Oh. Tu tiens tant que ça à parler de Sandra? Tu es fâché avec elle? Oh, ça va, ça vient. Elle a la manie de fiche de camp chaque fois que je lui demande de payer le loyer. Tu l'as vue quand la dernière fois? Hier, elle s'habillait pour aller à une soirée. Elle était invitée chez Kid Forest, tu sais, cette garce qui est très riche. Ouais, j'ai vu son nom dans les magazines à scandale. Tu veux que je te dise un truc? Oui. Je crois que tu me plais. Tu m'offres une cigarette? T'intéresse toujours à Sandra? Non, tu l'as dépassée d'une bonne longueur. Tu n'aurais pas de photo de Sandra? Et... quoi? Écoute-moi, tu m'en voudras pas si je te donne un conseil? Non. Si tu étais gentil, tu lui ficherais la paix. Elle a un amoureux maintenant. Est-ce que tu as des photos? J'aimerais que tu répondes à cette question. Non, elle avait horreur qu'on la prenne en photo. Elle se croyait laide. Maria, mon cœur, je te regarde et tu m'enchantes. Tu es délicieuse, drôle et spirituelle. Mais tu as le tort d'être trop sobre. Salut, Danny. Ce monsieur est en train de me parler de Sandra. Daniel, Tony Rome. Très heureux. Enchanté. Il est peut-être temps de te remuer un peu et d'aller secouer tes pectoraux et ton derrière, comme je t'ai appris. J'ai le temps, mais c'est pas mon tour avant. Pas de discussion. Tu n'entends pas, il te réclame à corps et à cri. Mais on vient juste de commander une bouteille de champagne. Je m'en fiche. Une importance, ma vie, je viendrai le boire chez toi. Tu me le promets? Si je te le dis, je viendrai. Je suis contente. Au revoir. Un petit jour. J'ai ramassé cette créature dans un cœur. Mais elle est si douée que tout le monde vient pour la voir. C'est une tocarde. Oh, vous n'y connaissez rien. Elle est aussi inexistante que vos dons de chorégraphe. Si vous me parliez de cet autre immense talent dont le nom est Sandra Lomax. En quoi ça vous regarde, mon joli? Je voudrais savoir à quelle fille blonde je dois rendre un bloc de ciment. Je me demande avec quelle robe on peut le porter. Oh, vous voulez parler sans doute de cette fille qu'on a trouvée dans l'océan ce matin? Oui, c'est la même. Oh. Mais il est impossible que ce soit Sandra, mon mignon. Ah oui, et pourquoi ce ne serait pas Sandra? Parce que je l'ai vue cet après-midi juste après le déjeuner. Elle m'a dit qu'elle partait. Vous me prenez pour un enfant de cœur. Mais vous mentez. Seymour, du sucre, s'il te plaît. Merci. Maintenant, écoute, ma douce. Je n'ai absolument aucune raison de te dire quoi que ce soit. C'est vrai. Mais si je le voulais, je pourrais être très convaincant. Je crois même que tu aimerais ça et que tu dirais merci. Mais Seymour se fâcherait. Il a un méchant coup de pied. Il appartenait à l'équipe des Panthers de Boston. Oh, je suis au courant, je le connais, je l'ai souvent vu jouer. Il détient le record des pénalités pour usage illégal des mains. Il y a des gens qui sont doués. Thank you.
Voulez-vous que je crie au viol maintenant ou que je me laisse faire et qu'après j'appelle la police? À mon humble point de vue, il ne faut jamais déranger ces gens-là. Je ne crois pas vous avoir vu hier soir à ma petite sauterie. Non, vous m'avez oublié sur votre liste. Oh. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je m'appelle Rome, Tony Rome, profession détective privé. Bon, je n'ai vraiment pas de chance. Dire que je vous prenais pour quelqu'un de dangereux. Je suis Kit Forrest. Oui, je sais. Des ennuis, peut-être? Non, je n'ai pas d'ennuis, mais il faut que je retrouve une femme et je pensais que vous pourriez m'aider. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de tout ça devant un porto Attila? Devant un porto quoi? Tenez, goûtez ça. Ah non, jamais avant 5 heures de l'après-midi. Je ne commence à être bien qu'au second verre. Miss Forrest, parlons un peu de cette soirée que vous avez donnée. Je trouve que ce bar est très laid. Il a appartenu à mon père qui faisait collection d'objets et de manuscrits pornographiques. C'était un vieux saligo, ce cher homme. Est-ce que Sandra Lomax était à votre soirée la nuit dernière? Sandra? Ouais. Peut-être. Je n'en suis pas sûre. Qu'entendez-vous par « je n'en suis pas sûre » ? Eh bien, pour tout vous dire, j'étais déjà un peu ivre lorsque les invités sont arrivés. J'ai un gros défaut, c'est presque une tare. Je fais de l'églisme mondain. Je m'en serais pas aperçu. C'est le spleen des riches. C'est comme ça que je l'appelle. Votre psychanalyste l'appelle comment? Il appelle ça de l'ivrognerie. Il y a pas mal de gens dans votre club. Je me demande ce que j'aurais fait si je n'avais pas hérité d'une aussi grande fortune. Quand on n'est pas riche, on peut faire tellement de choses. Les gens ne savent pas que l'argent peut vous gâcher une vie. Oui. M'instruisez beaucoup, mais je ne sais rien de plus sur Sandra Lomax. Savez-vous si elle était là hier soir et avec qui? Oh, monsieur Rome, vous ne pensez tout de même pas que je connais les amis des amis que j'invite? Et je pense surtout que vous ne direz que ce que vous voudrez bien dire. Excusez-moi, ce peignoir me rend nerveux. Vous le trouvez laid? Une serviette en papier, vous irez bien. Mais ça ne me ferait pas avancer d'un pouce. Je suis désolée. Je vais aller enlever ce peignoir de bain, puisqu'il vous déplaît. Les idées seront peut-être un peu plus claires après. J'en ai pour une minute. Oh, si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a un maître d'hôtel. J'ai une préférence pour les soubrettes. J'en ai aussi quelques-unes. Ça fait combien en tout, Paul? Quand tu sais, papa, on n'est pas obligé de jouer pour de l'argent. Tu sais que je ne peux pas jouer correctement si je ne parie pas sur moi. Il faut toujours garder un œil sur la balle. Comment veux-tu qu'il garde un œil sur la balle? Toute sa vie, il a regardé derrière lui pour voir qu'il poursuivait. Allô? Ah, c'est vous, ma chère. Vous avez bien fait, mon ange. Surtout, ne dites rien, nous arrivons. 2 minutes et nous sommes là. Dépêchons-nous, Paul, on nous attend. Je crois que je préfère le modèle. Vos idées sont plus claires? Au sujet de Sandra. Est-ce que je ne vous ai pas vu aux courses? Oh oui, il m'arrive d'y aller quelquefois quand j'ai le temps. Vous jouez à l'inspiration comme moi? Non, au contraire, je perds mon argent scientifiquement. Excusez-moi. À propos d'hier soir, vous m'avez demandé si mes idées étaient plus claires. Patientez, il y a là un ami et il va pouvoir m'aider. Bonjour. Bonjour. Vous êtes magnifique, ma chère. Merci. Elle est jolie, tu ne trouves pas? Qu'est-ce que tu attends? Dis-le. Elle est magnifique. Ah, vous avez bien fait d'appeler, mon chou.
C'est ce qu'il fallait faire. Alors, c'est ce minable qui embête ma tourterelle? Voilà Monsieur Almongar, un des piliers de cette communauté. Il n'y a pas à dire, c'est un grand jour pour moi, le dessus du panier. Les derniers requins que j'ai vus étaient moins dangereux. À votre place, je n'ouvrirai pas tant ma grande gueule. Je sais comment on peut vous la fermer. Vous connaissez Monsieur Mungar? Comme je connais Bonnie et Clyde. Eh bien, voici son fils, Paul. Tony Rome. Mon fils et mon conseiller en organisation. Quel département? La banque des macros? Vous et moi, nous allons faire un petit tour. Paul, tu resteras ici avec Kate. Écoutez, ça m'est... Je vous en prie, du calme. Il m'est tout à fait interdit de me mettre en colère ces jours-ci. Ordre du docteur. Ce médecin a raison, il ne faut jamais se mettre en colère. C'est très mauvais pour le cœur. Soyez tranquille, mon cher, tout se passera bien. Au revoir, Miss Forrest. Qui sait, je m'en tirerai peut-être. Je vous ferai qu'un reproche, c'est que vous pouviez vous débarrasser de moi plus gentiment. Dépêchez-vous, monsieur Rome. Allons nous promener. Eh ben c'est ça, allons-y. Je trouve que Paul et cette délicieuse Kit feraient un merveilleux couple. J'espère que ça ira et qu'ils finiront par se marier. Ça fera sûrement plaisir à ses camarades de la prison centrale. Mon fils est un Américain comme les autres. D'ailleurs, il joue dans l'équipe nationale de baseball de l'université. Si j'étais vous, j'en serais pas fier. Avec tous ces étudiants qui brûlent leur livret militaire, il a accepté de jouer en équipe nationale. Un, deux, un. Elle n'est pas dans le programme. La visite. C'est pour affaire. Si tu étais gentil, chérie, tu me présenterais. Fais-moi le plaisir de disparaître pendant une heure. Je vais faire quoi pendant tout ce temps-là? T'as qu'à lire un bouquin. Pendant une heure? Alors regarde les images. Ça me fait penser que le gosse de Santini veut que je lui achète un gant de baseball. Je viens de vous dire qu'elle n'était pas dans le programme. J'aimerais savoir quelle partie de cette fille j'ai pu payer. Eh oui, j'ai perdu quelques milliers de dollars dans votre hypo. Ça, c'était l'ancien Mungar. Mais maintenant, je ne m'occupe que d'affaires régulières. Du Gillies, entre autres. C'est une boîte parfaitement tenue. Ah oui, j'ai vu le PD qui la dirige. Répondez à ma question. Pourquoi la défendez-vous avec tant de passion? Qu'est-ce qu'elle est pour vous? C'est ma voisine, rien de plus. Soyez pas timide, avouez que cette fille est le cerveau de la bande. Vous avez tort, homme. Croyez-moi, si j'ai beaucoup changé, si je suis un homme sérieux, je sais encore où trouver un professionnel pour vous casser la gueule et pour vous apprendre à vivre. Vous me mettez en boule, j'en suis malade, alors que je voudrais être gentil avec tout le monde. Allez-vous-en tout de suite et ne vous approchez pas trop de cette fille, ni de cette petite idiote qui est dans la maison. Voiture 77, rendez-vous au 85 Méridien. Il y a un ivrogne qui moleste sa femme. Voiture 46, allez au couvent Sainte-Agnès. La mère supérieure nous signale qu'on a volé les robes des bonnes sœurs à la blanchisserie. Un coup de couteau, par quelqu'un qui savait s'en servir. Qu'est-ce que tu fais ici? Donne-moi une minute, je trouverai une réponse. Tu la connais? Oui, on a causé. J'ai deux meurtres sur les bras et si tu as un tuyau, j'aimerais en être informé. Je ne t'ai jamais rien caché, Dave. Tu devrais aller au Gillies. Tu y trouveras deux pédales, un dénommé Danny Yale et sa petite amie, un tueur qui s'appelle Seymour. Ensuite, tu iras voir Almungar et tu essaieras de parler un peu avec lui. Et, pour le dessert, il y a une magnifique créature, belle comme une déesse, qui nage comme une sirène, elle s'appelle Kit Forrest. Qu'est-ce qu'il y a comme lien entre eux? Peut-être du ciment. Chérie, maman vient dîner ce soir. Oh, quelle bonne nouvelle. Ça marche toujours, les canassons? Est-ce qu'on sait avec les chevaux? De toute façon, je ne joue jamais aux courses. Monsieur Rome, élevé? Je crois que oui. Ah, bonjour, Tony. Salut, Dave. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu as perdu? Ma chaussure. Peut-être qu'elle est dans le réfrigérateur. Ah non, je n'y mets que mes cravates. Je t'apporte des photos de blondes qui ont disparu. J'ai parlé avec Kit Forrest. Elle dit que tu as été la voir pour la questionner au sujet de Sandra Lomax. Exact. Elle dit aussi qu'elle a raconté tout ce qu'elle savait. Tu as essayé de la cuisiner un petit peu? Est-ce que tu te rends compte de ce qu'elle représente? Oui, 30 millions de dollars et des amis bien placés. Étant donné que tu étais chez la fille, tu en as profité, je suppose, pour aller voir M. Mungar. Oui, bah, tu l'as vu, toi aussi. Tu lui as posé des questions, mais ne connaissais pas les réponses. Tu n'as pas été méchant avec lui non plus. Il a aussi de nombreux amis bien placés. Oui, il donne beaucoup d'argent aux associations sportives et aux pompes funèbres. Rien de spécial sur Danny Yale? Non, il n'a pas quitté la G-Liz. J'ai un tuyau sur le meurtre de Maria Barreto. Non. Une femme qui habite de l'autre côté de la rue dit qu'elle a vu un homme sortir en courant de la péniche de Maria. Une sorte de gorille énorme, portant un costume trop petit pour lui. De quelle couleur le costume? Brun? Oui. Tu le connais? Je suis sûr du contraire. J'aurais dû me douter que tu ne suivais pas la piste de Maria Barreto uniquement par curiosité. J'aimerais bien savoir qui te paye. Personne. Maintenant, Dave, laisse-moi. J'attends une jeune beauté qui ne va pas tarder à arriver. Et j'ai promis de lui donner une petite leçon de plongée sous-marine. Et ce n'est pas un spectacle pour enfants. Ah, ça suffit, Tony. N'essaie pas de jouer au plus fin. Salut, Ruby. Je peux te voir une minute? Je trouve que vous manquez pas de culot. Non, vous en faites pas, c'est ma sœur. Regardez le spectacle, je n'en ai pas pour longtemps. Empoisonnant, il n'y a jamais de serviette. Pardon, madame. Sur quel sexe voulez-vous parier? Tu es magnifique. Ouais, c'est ce que dit le patron. Ouais. Trois de ces dames ont été volées dans le quartier la semaine dernière, alors j'ai été chargé de ce boulot. Joli comme tu l'es, tu dois te faire du fric. Ah ben, rigole pas, j'ai eu 4 propositions aujourd'hui. Dis-moi un peu ce que tu sais sur Waldo Gronski. Ah, ce pauvre dingue. Je l'ai plus revu depuis qu'on l'a ramassé pour le vol d'une station-service il y a plusieurs années. Hein? Qu'est-ce que tu sais d'autre? Bon, il travaille en solitaire. Il a commencé tout jeune à attaquer les boîtes et les banques pour se l'amuser, je crois. Il a l'air d'être un vrai dur, ce type. Un dur? Un dingue, je te dis, si on pense à ce qu'il a fait dans sa chaîne de vie. Sois plus clair. Il s'est attaqué au poker privé qui était sous la protection de la mafia. C'est un sport très dangereux, il me semble. Oh, dangereux? On a rendu un grand service à cet imbécile quand on l'a ramassé. Comment ça? La semaine où il a été arrêté, il venait, paraît-il, de faucher un paquet de fric à un des grands patrons. Quel grand patron? Ça, je l'ignore, mais je sais que quelqu'un voulait sa peau. Comment l'avez-vous su? Une communication téléphonique anonyme. Maintenant qu'il est sorti, où est-ce qu'il a pu s'installer? J'en sais rien, il faut que je fasse un coup de fil. À la mondaine, ils doivent le savoir. Hein. Appelle-les tout de suite. Ah ben, j'y vais. Une minute, chérie. Vous partez sans votre sac. Oh, je ne sais plus où j'ai la tête. Allons-y. Merci, bonhomme. Eh bien, voilà, monsieur. Je vous l'avais dit que ce ne serait pas long. Elle est toute à vous. Merci. Ça va, enlève ton bras. Les bonnes femmes, vous êtes toutes des garces. Allez, fous le camp. Ah, les hommes.
voyez-vous ça? Vous êtes seul? Je l'étais aussi la dernière fois. Seulement aujourd'hui, j'ai un avantage. C'est que c'est moi qui tiens le revolver et qui pose les questions, et c'est vous qui allez répondre. Alors enlevez vite ce canon de votre ceinture et jetez-le par ici. Pourquoi vous venez pas le chercher vous-même? Écoutez, si vous croyez que vous m'impressionnez, vous vous trompez. Je vous jure que je vous raterai pas. Alors enlevez ce truc-là et jetez-le par terre. Pourquoi ce feu, petit? Je suis un client. Je m'en souviens, c'est pour ça que je vous laisse une chance de vous expliquer. On vous a vu sortir en courant de la péniche de Maria Barreto. Juste avant qu'on ne la trouve poignardée. Elle était morte quand je suis arrivé. Mais au fait, si les flics sont après moi, comment se fait-il qu'ils ne soient pas ici? Pour une seule raison, ils ont votre signalement, mais ils ne savent pas encore qui vous êtes. C'est pas moi qui ai fait une boutonnière à cette Barreto. J'avais vraiment pas de raison de le faire. C'est sur Sandra que je veux mettre la main. Pourquoi? Si j'en ai pris pour plus de 2 ans, c'est à cause de cette salope. C'est elle qui m'a vendu. Êtes sûr que c'était elle? Ça pouvait être personne d'autre. Elle était la seule à savoir où je me planquais. Dites donc, quand j'ai été engagé par vous, c'était pas pour vos vengeances personnelles. Que voulez-vous faire de Sandra? Vous mêlez pas de ça. Trop tard, c'est moi qui décide. Qu'est-ce qui me le dit? C'est ce 38 qui vous le dit. Ça? Bon. C'est tout de même pas un petit prudent de 38 qui va m'arrêter, non? Restez tranquille. Ne m'obligez pas à vous descendre. Non, je m'en voudrais. Je pourrais peut-être bien le regretter. Mets ton flingue sur la table. Fais pas l'imbécile, Gronski, c'est un 45. Si tu fais le moindre mouvement, je te jure que je te fais sauter la cervelle. Entre, chef. Qui es-tu? Moi, je suis infirmière diplômée, mais si je vous dérange, je peux m'en aller. Bouge pas. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il faut le sortir de la baraque. On peut le laisser là s'il est mort. Non, mais faut pas vous tourmenter pour moi. Hein. T'inquiète pas. Je te promets que je serai très gentil, juste entre les deux yeux. Allons dehors, sur le ponton, à l'endroit où l'eau est très profonde. Allez, on y va. Ah, ah, ah. Laisse-moi prendre ma veste, je pourrais attraper une bronchite. Ça va, maniez-vous un peu. On pourrait peut-être prendre un verre et essayer de se connaître un peu mieux, non? Alors, là, voyez-vous. Belle journée, hein? Oui. Reste en arrière. Quoi? J'ai dit rester en arrière. Il n'a plus à se préoccuper de son avenir. L'autre métèque a failli m'arracher la jambe. Foutons le corps d'ici, je connais un endroit où je peux me planquer. Où ça? Chez ma belle, elle habite dans la 23e rue. Oh. On vous a jamais conseillé de faire un petit régime? Ça va, arrête de rigoler, emmène-moi chez ma belle. Oui. C'est foutu. Montez dans la voiture. Donne-moi ton revolver. Et l'autre aussi. Gourmand. Allons-y. Reste en arrière, petit. Encore? Oh. Thank you.
Vous savez qui peut porter plainte pour coups et blessures? Hein? Il ne vous embête pas trop? Non, lieutenant. Parfait. S'il tente de s'échapper, n'hésitez pas à utiliser votre arme. Oh, je suis certain de pouvoir garder le prisonnier sans être obligé de me servir de mon revolver et sans... Écoutez, Léville, vous êtes encore très jeune, mais un de ces jours, il vous faudra choisir entre la Ligue des droits de l'homme et la police criminelle. Oui, lieutenant. Comment ça va, la tête? J'ai jamais eu d'ennui avec ma tête. Et toi, comment ça va, petit? Beaucoup mieux que toi, Valdo. Gronski, vous savez que vous êtes accusé d'assassinat? Et je ne parle pas de la mise en pièce des policiers ni des dommages causés à la voiture de patrouille. Tu es une menace pour la sécurité urbaine. Une dame vient de signer une déclaration où elle précise qu'elle vous a vu sortir de la péniche de Maria Barreto. Ouais. Tu t'en es tiré? Ah oui, ces deux crapules avaient un casier judiciaire gros comme un bottin. Personne ne pleure ces deux voyous, c'est évident. Non, personne, sauf peut-être M. Mungard. Pourtant, il dit qu'il ne les connaît pas. Dis-vous non plus. C'est vrai, cette blague? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que Mungard a contre toi? J'en sais rien. Peut-être qu'il est jaloux, je donne plus que lui aux pompes funèbres. J'ai un autre travail pour toi, petit. J'ai pas commis ce crime dans ces messieurs m'accusent. Lieutenant, mon jus d'orange, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on vous croie, vous auriez intérêt à nous donner un peu plus de détails. Pourquoi? Pour que ça se retourne contre moi? La sincérité ne paie pas. Rome n'a aucune chance de découvrir plus de choses que nous. Lieutenant, vous travaillez pour l'État. Rome travaille pour du pognon. Et le pognon, ça vous donne des idées. Oh non, 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 je t'en prie, laisse-moi tranquille, n'insiste pas. Il y a vraiment beaucoup trop de morts autour de toi. Même pour 5 000 $? 5 000, ça marche. Tiens, on t'en donnera au moins 5 000 $ n'importe où. Vérifiez, lieutenant, elle est chouette. Hein? Elle est à toi si tu arrives à prouver que j'ai pas tué Maria Barreto. Si tu réussis pas, tu me la rapportes. Et je l'utiliserai pour rétribuer un bon avocat. Qui vous dirait que j'ai le droit de discuter avec mon détective privé seul à seul? Vous avez de la chance en ce moment d'être dans un lit. Je veux que vous me répondiez. Oh. Ah. Oh, j'ai des nausées. Je vous jure que je suis pas en état d'être interrogé. Je n'aime pas ce jeu-là, Gronski. Lieutenant, non, je vous en prie, mon client a eu vraiment une journée très difficile. D'accord. Je te donne 5 minutes. Est-ce qu'ils ont mis des micros ici? Si c'est le cas, Valdo, je t'assure qu'on leur fera payer. Maintenant, dis-moi, pendant que tu surveillais la péniche de Maria, est-ce que tu as vu quelqu'un entrer ou sortir à part cette fille? Un gars. Un type qui est venu pendant qu'elle était dehors. Il a ouvert avec une clé, il est resté quelques minutes et puis je l'ai vu repartir avec deux valises. De quoi il avait l'air? Il avait des lunettes, comme les motocyclistes. Et des tas de cheveux sur les oreilles. As-tu remarqué s'il portait un pantalon étroit? Ouais. Ouais, un pantalon très étroit qui lui collait aux fesses. Je vais faire nettoyer ça. Hé, hey, Rome, tu le connais? On n'est pas très copains tous les deux. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est très mécontent. L'infirmière de nuit attachée à ce service s'est permis de réveiller mon client et de lui faire des avances. Daniel est dans le secteur. Dans cette pièce. Ce n'est pas le gentleman qui est venu l'autre jour, Danny? Arnie Sherwin a un certain talent. Il a su dégager ta vraie personnalité. Si tu as des désirs à entrer, mon biquet, tu t'es trompé de pièce. Tu devrais aller au bar. Oh non, tu n'y es pas. C'est toi qui m'excites, mon bel ange. Tu as tort de dire ça. Seymour est jaloux que c'en est un bonheur. Qu'est-ce que vous voulez? Je serais curieux de savoir pourquoi Sandra n'a pas emporté ses affaires personnelles quand elle est partie de chez elle. Je te l'ai dit.
Rien ne m'oblige à répondre à ta question. C'est vrai. Mais si tu ne me réponds pas, j'ai quelques arguments très convaincants. Pourquoi serait-elle partie sans ses valises? Parce que c'est toi qui les as emportées. On t'a vu sortir de chez elle avec ses bagages. Et alors, je suis venu prendre ses affaires, ça vous regarde? C'est elle qui m'a demandé de les déposer à la consigne de l'aérogare. Elle avait des tas de choses à faire. Tu as un grand sentimental, Denis. Une de tes entraîneuses te laisse tomber, tu te donnes encore tout ce mal pour elle? Encore tout ce mal? C'était une fille très gentille. C'était une fille très gentille. Elle est loin d'ici, très loin, c'est tout ce que je sais. Comme Maria Barreto. Pauvre gosse. Mais si toutes tes filles te plaquent, je crains que tu ne sois obligé de danser sur les tables dans un avenir très proche. Écoute, j'espère que le monstre qui a tué Maria finira sur la chaise. Sois tranquille. Et si on découvre que Sandra a été tuée avant que tu ailles prendre ses affaires chez elle, tu auras de gros ennuis pour complicité de meurtre. Tu seras embêté, ou très embêté. Ça va, fous le camp, mon cœur. La conversation est terminée. Je crois que tu aurais intérêt à parler maintenant avant que les flics n'emploient la manière forte. Et ils font mal. On vous a dit de foutre le camp. Qu'est-ce qui lui prend? C'est moi qui l'énerve à ce point? Seymour, si tu ne le sors pas, je lui crache sur la figure. Allez, va-t'en ou je te massacre. Fous le camp, ou je te balance dehors par la peau des fesses, papa. Flic à la manque. Seymour! 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 Veux-tu essayer de l'appeler encore une fois que j'entende ta jolie voix? Mon cœur. Le 5, deux fois gagnant. Le 6, trois fois gagnant. Le 3 à cheval. Les chevaux se rangent derrière les stades de départ pour cette épreuve qui est la plus importante de la journée, le handicap du Gulfstream Park. Bonjour. Je suis heureuse de voir qu'on vous a transmis mon message. Avec un peu de retard. Je vous ai attendu chez moi jusqu'à 3 heures. Vous vous rappelez qu'on m'a conseillé de ne pas vous approcher de trop près? Almungar. Il a toujours un œil sur moi, le cher homme. Et qu'est-ce qu'il fait de l'autre œil? Les chevaux sont sous les ordres. Ce n'est pas ce que vous croyez. Il est vraiment charmant. Oui, il a un très beau physique. Le charme du requin. Qu'attendez-vous de moi, Miss Forrest? Rien, j'ai trouvé qu'il faisait une journée merveilleuse pour aller aux courses. C'est bien aimable à vous. Les chevaux sont dans les stades de départ. Sur quel cheval avez-vous misé? Sur Fanfaron. Oh, j'ai parié sur le même que vous. C'est parti. Jordan prend le commandement, suivi de Dame Lacus. Au passage devant la tribune, Jordan est sur le Dame Lacus en deuxième position à la corde, suivi de Fanfaron. Revanche, Fanfaron. Vas-y, mon petit cheval, vas-y, Fanfaron. Hé. Pour que votre cheval gagne, encouragez-le tendrement, c'est la seule façon. Oh. C'est donc ça votre secret, monsieur Rowe? C'est ça. Vous parlez sans doute aux chevaux comme vous parlez aux femmes. Beaucoup plus tendrement. À l'entrée du dernier tournant, surgit Goldfinger, qui prend résolument la tête devant Cornal, qui n'a pas l'air de prendre la distance. À l'entrée de la ligne droite, Goldfinger a pris de longueur. Vas-y, qui est le vainqueur? Nous deux. C'est drôle. Avec un homme comme vous, je gagnerai souvent. C'est gentil ce que vous dites. On recommencera. Ah. Allez, prenez votre sac, on s'en va. Le point est à 5. Le point est à 5. La dame joue pour 5. Hop. Faites voir. Si c'est 4, 10. On lance pour 5. Hop. Allez, faites-moi voir ça. Un 2 et un 3. Le point est fait. Qu'est-ce qui
vous décidez, madame? Je continue. 400 dollars sur le tapis qui couvre les 400. Allons, dépêchons-nous, qui couvre les 400. J'y vais de 50. 200. Notre ami Charlie La Prudence, il va de 200. Il reste encore 150 à couvrir. Eh, Tony, vous n'en voulez pas? Non, j'ai pas un rond. Allons-y, les amis, il reste 150 à couvrir. 150 à couvrir encore, décidez-vous. Je dis 150 à couvrir. 150 encore à mettre sur le tapis. Eh, Tony. Elle a l'aidé depuis plus d'une heure. J'y peux rien, elle aime garder ce qu'elle a. Où on trouve des filles comme ça? Dans l'annuaire du téléphone. Ah, toutes mes félicitations. Je les accepte avec grand plaisir. Il reste 150 à couvrir. Toujours 150 à couvrir. J'y vais, ce sera dans 20 ans. Peur de truiner. Soyez gentil, messieurs, il y a un effort de fait. 145 à couvrir. Couvert. D'accord, allez-y, lancez. Monsieur, attention, vous éraflez le cercueil avec vos chaussures. Tais-toi, Melvin. Lancez, madame. Petite idée, faites-moi gagner. Le point est à 4. Le point est à 4. Pareil, 50 000 qu'elle l'ait fait. Il n'a pas besoin de tes vœux, Irving. Désolé, messieurs, je vous en prie, cessez de jouer. Il est très tard et nous devons faire livrer ce très joli cercueil à un mort de la haute bourgeoisie. Arrête, Melvin. Alors, le point est à 4. Hé, un petit 4. Monsieur Rome. Oui. Comment faut-il vous dire que vous abîmez ce cercueil avec vos chaussures? Il soit éraflé ou pas, le gars que vous mettrez dans la boîte, il verra que du feu. Vous en faites pas. Merci, monsieur. Mais de rien, de rien. Le point est à 4. S'il vous plaît, messieurs, il est tard. Tais-toi, Melvin. Allons-y, le point de la dame est à 4. Hop, 7. Allez, venez. Un petit 4, le plus difficile. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh, déjà? Monsieur Rome. Oui. Je tenais à vous dire qu'à partir de maintenant, et pour toutes les parties que j'organiserai, il n'est plus question que vous ameniez cette personne avec vous. Si cette dame avait le mauvais goût de revenir, je la jette dehors. C'est compris? T'es compris. D'accord. D'accord. Je vous remercie. Vous en prie. Je crois que vous ne me retiendrez pas si je termine cette partie dans un autre établissement de pompes funèbres. Chère madame, ne revenez pas chez nous trop vite. Ah, vous êtes mignon. Tenez. Je suis mignon. Vous avez de l'humour, vous. Sortez sur la pointe des pieds, je vous en prie. Non, ne vous en faites pas, nous vous garantissons un silence de mort. Merci. Vous êtes gentil tout plein. Bonne nuit. Ça, ça. Señorita Forest, je le reconnais et vous dois tout. Vous m'avez sauvé la vie et conduit ici. J'ai été aidé par vous toutes ces années. Mais ça, ça, ça n'est tout. Tony, voulez-vous un oignon avec? Non, merci. Il appelait sans arrêt cet idiot de Annie Servi. Ça ne répond pas, il ne sait pas ce qu'il fait. J'ai téléphoné 8 fois. Il voulait lui demander comment on enlève ces machines-là, ça colle comme de la glu. Quand ça s'est-il passé? La nuit où, justement, vous avez fait votre magnifique soirée. Ouais, votre soirée. Il arrive ici comme ça, complètement rond. Et tout à coup, il me dit, donne-moi ton mur. Et il lui répond, écoute, mon ami, ce mur, il appartient à Paco González. Et vous savez ce qu'il me dit? Ce mur appartient à la... à la prospérité. C'est dégoûtant de parler comme ça un Cuban. Venir dans les pays de la liberté pour qu'on me colle sur le mur des saloperies pareilles, il y a de quoi être malade. Ah, je trouve ça plutôt joli, Paco. C'est magnifique. Magnifique, peut-être, pour une salle de gymnastique, mais affreux pour un bistrot familial. Est-ce que vous imaginez un père de famille qui vient avec ses enfants jouer au billard, hein? Il se met là, il vise, pas. Et jette un coup d'œil au mur, il regarde, crac, foutu, et il bousille la table. Je crois que vous avez des problèmes. Paco, je ne vous comprends pas. Des gens paient des sommes fantastiques à Annie Sherwin pour une fresque comme celle-là. Quoi? Ils payent pour avoir un machin comme celui-là? Ah, oh, mais l'Amérique, c'est un pays de dingue. À faire estas cosas, c'est une vergüenza, yo les pagaré. Non, non, à votre place, je ne ferai pas ça. Ah, vous avez peut-être raison. Un pour le voyage. Vous êtes mon ange gardien? Depuis 4 heures de l'après-midi. Quelle heure peut-il être? Un peu plus de 3 heures. 3 heures du matin. Vous avez fait une tache sur votre robe. Oui. Chez moi ou bien chez vous? J'ai un détachant miracle chez moi. Buenas noches, Paco. Vous pensez que le bourbon efface les taches? Tout dépend de ce qu'on veut effacer. Je le prendrai sec. Vous buvez beaucoup trop. Et vous, vous fumez beaucoup. Décidément, nous n'avons pas de point commun. Vous m'avez appelé aujourd'hui, c'était pourquoi? Vous voulez que nous en parlions maintenant? Vous disiez que c'était urgent. Si je vous avoue qu'à 5 heures du matin, j'ai un terrible besoin d'affection, c'est pas une raison suffisante? Pas tout à fait.
n'avons pas arrêté de faire joujou depuis que nous avons quitté le champ de course. Si on en venait au fait. Je veux vous engager. Pourquoi? Eh bien, voilà. Sandra est bienvenue chez moi le jour où j'ai donné cette soirée. Elle est venue parce qu'elle avait à me montrer une photo spéciale. Une photo de moi en compagnie d'un homme marié. Elle a dit que si je voulais le négatif, elle pourrait me l'avoir pour 5000 dollars comptant et qu'un homme passerait les prendre le matin suivant. Et quand je suis venue, vous m'avez pris pour le messager. Et ce cher Almungar est intervenu. Il n'y a que lui qui pouvait m'aider. C'est lui qui a insisté pour que je l'avertisse quand l'homme se présenterait. Et l'homme n'est jamais venu? Non. Mais la nuit dernière, j'ai reçu un coup de téléphone en provenance de Las Vegas. Sandra disait d'envoyer 5000 dollars à Jeanne Smith, centre postal 120 Las Vegas. Et vous voulez que je parte à Las Vegas, que je récupère d'abord le négatif, et qu'ensuite je traîne jusqu'à ce que je trouve Sandra, c'est ça? Je paierai tout ce que vous voudrez, plus une prime. Quelle prime? Dites-le-moi. Que pensez-vous de 30 millions de dollars? Et je ne suis pas trop gourmand. Faut au moins ça pour enlever un corps de la morgue et l'expédier à Las Vegas. Ne soyez pas grotesque, je vous en prie. Je vous ai dit que j'ai eu Sandra au téléphone la nuit dernière. Qu'est-ce qui vous empêche de me croire? Tout. Pourquoi? Parce que vous succombez un peu trop vite à mon charme irrésistible. J'ai l'impression que vous voulez échanger un de vos petits secrets contre ce qui me fait envie. Vous n'êtes pas intéressé? Je n'ai pas dit ça. Mais quand je le voudrais, je ne veux pas avoir à le payer. Vous avez une idée de ce que je veux acheter ou vendre? Je ne peux pas le dire encore. Mais en tout cas, ce n'est sûrement pas cette photo dont vous parlez. Vous ne croyez tout de même pas que je peux me permettre de la laisser à Sandra? Vous pouvez tout vous permettre, Miss Forrest. Même vous payer Almungar. Et vous aimez peut-être collectionner les voyous. J'ai bien connu une dame qui collectionnait les Fordéal. Oh, vous êtes un mufle, Monsieur Rome. Maman n'aimerait pas que vous disiez ça. Oui? Annie Sherwin est là. Est-ce qu'il vous connaît? Pas encore. Je suis Tony Rome, un ami de Kid Forrest. Oh. Entrez. Je suis la réceptionniste du grand maître. Tout le monde veut son portrait par Arnie Sherwin, alors je les empêche de rentrer. Là, c'est moi. Ils s'épanouissent les êtres tels qu'ils sont, vous ne trouvez pas? Je trouve surtout que vous avez beaucoup maigri. Oh, Arnie, j'ai le droit d'aller aux toilettes? Non, garde la pause. Arnie? Oui? C'est un ami de Kid Forrest. Ah ben, on a dû se rencontrer, alors. Ah oui, où ça? À une de ses petites sauteries. Non, je n'étais pas à sa dernière soirée, vous y étiez? Ah oui, quand elle me siffle, moi j'accours ventre à terre. Vous voyez tout ça? C'est grâce à elle. Toutes ces clientes qui veulent leur portrait. Où croyez-vous que ça vient? De mon talent? Oh, j'en sais rien, moi je suis détective. Un flic? Ah non, je vous en prie, non, je suis désintoxiqué non, depuis alors, des mois, j'ai alors, pas touché à la calme, drogue. Mais je vous crois, ce n'est pas ce que je suis venu vous demander. Ça vous dérange pas que les femmes restent? Moi, ça me repose. Mais moi aussi. Arnie, est-ce que je peux aller aux toilettes? Non! Parlons un peu de ce qui s'est passé chez Kit l'autre nuit. Vous avez vu une fille qui s'appelle Sandra Lomax? Ah non, elle était partie bien avant qu'on arrive. Vous la connaissez? Oui, bien sûr. Et comment s'est passée la soirée? Au début, c'était tous les quatre, Yel et Sandra, Kit et Paul Mungar, et ils sont arrivés tous ensemble. Paul Mungar? Bien sûr, Kit lui court après depuis un mois. Kit était ivre quand vous êtes arrivé? En fait, tout le monde buvait comme un trou, vous connaissez Kit. Mais il n'y avait pas assez de monde, alors Yel et Paul sont sortis tous les deux pour aller ramasser des copains. Yel m'a embarqué et amené chez Kit, Paul est arrivé plus tard avec des tas de gars. Arnie, s'il te plaît, est-ce que je peux aller aux toilettes? Non! Dites-moi, est-ce que Kit était seul quand vous êtes arrivé? Saoul, oui, elle ne nous a même pas vus. Paul l'a mise au lit et la soirée a continué sans elle. Et la petite Lomax, est-ce qu'elle est revenue? J'ai l'impression que Sandra et Kit se sont bagarrés avant qu'on arrive. À propos de quoi? Avec les filles, on peut pas savoir. Certainement pas à propos du désarmement. Ouais. N'avez jamais fait un portrait de Sandra Lomax? Non. Est-ce que vous pourriez en faire un de mémoire? Oh, très facilement, mais je travaille pas à l'œil. Oh, je sais, j'ai vu que vous aviez une grande famille. 20 billets, ça irait? Je vais tout de même pas me salir les doigts pour ça, non?
n'ai besoin que du visage, vous n'allez pas me faire payer le plein tarif. Arnie, je peux aller aux toilettes? Mais oui, vas-y, chérie. Oh, merci. La criminelle, Santini. Dave est là? Non, il est absent pour la journée. Parfait. Alors, champion. Oncle Tommy. Bonjour, mon garçon. Comment te sens-tu? Bien. Où sont tes parents? Hé, hey, Rose, regarde qui vient nous voir. Salut, Dave. Bonjour, Tommy. Bonjour, Rose. Comment allez-vous? Très bien. Et qu'est-ce qui s'est fait au menton? Je suis tombée en faisant de la patinette. Si vous aviez vu Dave, il s'est précipité à la maison comme s'il était mort. Vous déjeunez avec nous, bien sûr. Je veux que tu restes. Ah, d'accord, vous m'avez convaincu. Qu'est-ce que tu m'as apporté aujourd'hui? Je t'ai fait une surprise. Ferme les yeux. Ouvre-les. Oh, poil! Un gant de baseball, justement ce que je voulais. Comment tu le savais? Et quelquefois, mes intuitions ne me trompent pas. C'est chouette, merci, Tony. Ah, de rien. Viens m'aider à la cuisine, champion. Je voulais te dire, Dave. Oui? Cette bonne femme à la morgue, c'est bien Sandra. Comment le sais-tu? Quelqu'un qui la connaissait l'a dessinée. Rose, elle était formidable, votre pizza. Ah, c'était pas une pizza, c'était une quiche Lorraine. J'y vais. Elle était très bonne quand même. Tony, combien de temps il faut aller à l'école pour être détective? Jusqu'au bout, mon garçon. Tu veux dire jusqu'aux examens? Au moins jusque-là. Et tu verras que c'est à peine assez pour savoir comment s'y prendre avec les filles. Attrape! Ah, ça va faire mal. Tu sais que c'est interdit? Ah, t'es un petit futé, toi. En voilà un spécial. Hop. Non, terminé! J'ai lancé mon bras avec la balle. Rose. Oui? Il est temps que le gosse prenne son bain. Dave. Il est tard. Mais Dave, nous... Rose, je t'en prie. T'en fais pas, maman. Je sais que papa a des ennuis. Demain matin, je l'emmène à la pêche ou faire un tour en poney. Mais je ne te force pas si tu veux pas y aller. Je veux. Au revoir, bonhomme. À tout à l'heure. Viens, champion. Au revoir, mon grand. Au revoir, oncle Tommy. À bientôt, Rose. À bientôt. Je ne t'ai jamais vu comme ça, Dave. Qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé Danny Hill au club, mort. Avec un couteau qui t'appartient planté dans le ventre. Et avec mes empreintes digitales, hein? Oui, on a vérifié. Et en plus, un témoin pour dire qu'il a tout vu. Monsieur Mungard veut sans doute avoir ma peau. Bien sûr, j'étais en rhum contre Yale. Mais ce n'est pas moi, Dave. Oui, je le sais, mais tu dois le prouver. Il faut que je te boucle, Tony. Et tu auras toute l'aide que je pourrais te donner. Contre Mungard? Oh, tu te fais des illusions. Tu n'as même pas réussi à l'interroger après qu'on ait ramené cette pauvre fille dans son ciment. Et qu'est-ce que tu m'offres? Un témoignage de moralité? Tu diras qu'on a été flics ensemble et que je viens souvent dîner chez toi? Je suis désolé. Hein, moi aussi. Ah, t'en vas pas, Tony. Je suis obligé de t'arrêter. Dave, il faut que je me venge de ce salaud. Il faut que je sois libre si je veux attraper mon gars. Ça, c'est mon affaire. Hein, tu n'es pas à la hauteur, cette fois. Ne bouge pas. Tu vas me suivre sans discuter. Tu tirerais sur moi, Dave?
voiture 45 au central. Central, la voiture 45, j'écoute. Je vous signale un délit de fuite après accident. Il s'agit d'une Ford bleue décapotable. Elle se dirige vers le sud en empruntant la voie express 36. Voici son numéro 1W1739-5. 45 terminé. De cette voiture. Alors, enfin, je suis le lieutenant Santini de la brigade criminelle de Miami. Sortez, je vous tire mes papiers. Lisez-les, nous discuterons après. Et si vous nous parliez de la femme que vous avez blessée sur l'autoroute? Quelle femme? Il a dit la vérité, c'est un flic. Ah, merci. Vous alertez tout de suite le central. Dites-leur que j'ai vu Rome entrer au Fontainebleau. Vous, le moins bête, venez avec moi. Tony. Oh, Tony, je suis content de te voir. J'ai un tuyau de première dans la troisième, Lord George. Oh, pour l'instant, j'ai autre chose à faire qu'à jouer aux courses. Et justement, je voulais te dire, il y a une bande de flics qui te cherchent par ici. Oui, je sais, ils se remuent beaucoup depuis quelques jours. Alors, tu peux aller en ville? Mais t'es malade, Tony! Il y a une vedette en face du bateau qui attend que je les conduise vers toi. Et de l'autre côté, au bout du quai, il y a des tas de flics en uniforme et en civil qui font semblant de ne pas me voir. Et de l'autre côté, à l'autre bout du quai, il y a des flics en uniforme et d'autres en civil qui n'ont pas l'air de s'intéresser à moi. On devrait quand même jouer une bricole sur Torquemada. C'est Moïse qui gagnera. Oui, il a une chance aussi. Oui, une chance sur deux. Il y a des jours comme ça où on aimerait gagner. Oh, pardon, monsieur. Ben, je savais pas qu'ils avaient reloué cette cabine. Je parie que vous venez d'arriver à Miami. Mm-hmm. Oui, on reconnaît les étrangers. Ici, je peux vous avoir n'importe quoi.
C'est vrai, ça? Oui, oui. Tenez, si vous louez une voiture pendant votre séjour, vous devez payer au kilomètre. Eh bien, je vous éviterai de payer le kilométrage. C'est un simple jeu d'enfant pour moi. Pour trafiquer les compteurs, je suis de première. Ben comme ça, vous n'avez pas à vous en faire. Vous vous baladez autant que vous voulez. Et puis, quand vous la rendez, ben je laisse que 10 ou 15 kilomètres à payer. C'est intéressant. Ah, c'est très intéressant. Parce qu'on dépense beaucoup d'argent ici. Et si nous voulons favoriser le tourisme, ben il faut faire un effort. Sur les kilomètres que je vous ferai sauter, vous me donnez mon pourcentage. Ah, ça paraît logique. Et si vous voulez une gonzesse, ben je suis là pour ça. Pas de souci à vous faire. Vous n'avez qu'à me dire ce qui vous plaît. Si vous n'aimez pas les professionnels, il y a plein de bonnes femmes dont les maris travaillent et qui sont prêtes à tout parce qu'elles s'ennuient. Nous interrompons nos émissions de l'après-midi pour diffuser un bulletin spécial. Danny Yale, directeur du Gillies, le célèbre nightclub de Miami, a été trouvé hier assassiné dans son bureau à la suite d'une violente querelle qu'il aurait opposée à Anthony Rome, un détective privé de Miami. La police passe actuellement toute la ville au crible pour retrouver Anthony Rome. Il aurait été aperçu dans Collins Avenue et se dirigerait vers le nord dans une voiture volée à la police. Maintenant, la suite de Daniel Boone. Et c'est rien, ça. Si vous n'êtes pas à 10 dollars près, je connais des jeunes milettes qui vous apprendront des trucs terribles. Ça va pas, non? Tu devrais comprendre qu'un garçon qui peut rendre de tels services à l'humanité, on n'a pas envie qu'il s'en aille. Vous êtes celui qu'on vient de voir. C'est bien vous que j'ai vu à la télé. Oui, c'est moi. Oh, oh non, monsieur. Vous allez pas... Je ne te ferai rien si tu ne pousses pas des cris pour ameuter l'établissement. Oh, s'il vous plaît, monsieur. J'ai jamais eu beaucoup de chance dans la vie. Je n'ai plus que 6 traites à payer pour être propriétaire de ma Ford. Au choix tranquille, je dirai à la banque où elle devra envoyer les fleurs. Je ferai ce que vous voudrez. Reste assis et ferme-la. Oh, moi, vous avez vu, je ne suis pas très bavard. Tiens-toi tranquille, fiston. Mmh. Ça sera plus gai, non? Mmh. Combien je vous dois? J'ai même pas eu le temps de baisser mon drapeau. Tenez, baissez-le et gardez le reste. Je voudrais avoir des courses comme ça tous les jours. Mais... Si vous vous ennuyez, je sais où vous trouvez une âme sœur. Une autre fois, je suis pressé. Vous cherchez toujours votre homme, lieutenant? Oui, capitaine, mais cette fois, il ne peut plus nous échapper. Oh, c'est une excellente nouvelle. Mais j'aimerais bien savoir comment il a pu aller si loin avec une voiture de la police. Vous voulez peut-être que je vous fasse un dessin? Nous complétons nos informations précédentes au sujet de Anthony Rome, accusé d'avoir poignardé Danny Yale. Il pourrait se trouver en ce moment du côté de l'hôtel Fontainebleau. Voiture 954-652-125, répondez. Encerclez la zone. Mademoiselle Forrest? Oui? Nous cherchons un tueur. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Non, mais s'il vient chez moi, je vous téléphonerai. Merci. Tout va bien. Soyez tranquille. J'espère que vous mesurez les risques que vous prenez en cachant un tueur. Ça, j'avoue que je n'y ai pas pensé. Vous êtes toujours aussi méfiant, n'est-ce pas?
Vous avez des voisins si particuliers. Tenez. Je crois que ça vous remontera. Merci. Vous pouvez encore me livrer aux flics? Oui. C'est pour ça que vous êtes venu me voir? Non, j'en avais assez de courir. Pourquoi vous leur avez menti? J'ai des principes religieux. Tous ceux qui sont dans l'angoisse reçoivent assistance et hospitalité. C'est simple? Ça, c'est gentil. J'aurais pu être une sœur de charité parfaite. J'aimerais que vous me montriez comment vous faites la charité. Une question. Oui. Pourquoi Mungar vous protège-t-il? Je vous l'ai dit. Ça ne prend pas. Tony. Quittez la ville immédiatement. Je suis très occupé, je ne peux pas partir. Il le faut, Tony, vous n'êtes pas l'assassin de Daniel. Comment pouvez-vous en être sûr? Je le sais, c'est tout. Je l'ai peut-être tué pour vous protéger. Vous vouliez me protéger de quoi? D'une accusation de meurtre. Oh, vous ne pensez pas ce que vous dites? Si, je le pense. Oh, et moi qui étais assez stupide pour croire que vous teniez un peu à moi. Je vous prends très au sérieux, mais avant qu'on s'offre le grand frisson, j'aimerais avoir votre version des faits. C'est atroce, je ne me rappelle pas. Je peux peut-être vous aider. Voici le visage de la belle Sandra Lomax avant d'être pêchée au fond de l'eau dans son bloc de ciment. Est-ce que vous allez parler à la fin? Paul et Yale, vous avez laissé seule avec Sandra cette fameuse soirée, mais si à leur retour elle n'était plus là, c'est parce qu'elle était déjà morte. Et si ce salaud de Mungar est dans le coup, c'est pour vous couvrir. J'étais ivre, je ne me rappelle pas. La personne que vous protégez ne vous fera pas de cadeau, Kit. Ça m'est égal, je le sais. Maria Barreto ne vous aidera pas. Qui est Maria Barreto? Elle habitait avec Sandra, sur la péniche. Mungar a oublié de vous en parler, bien sûr. On l'a trouvé poignardé. On voulait me mettre sur une fausse piste pour que je ne vienne pas chercher de votre côté. Et si vous m'aviez dit la vérité, Danny Yale serait encore vivant. Si je l'avais deviné, je vous aurais parlé avant. C'est important? Oui, très important. Pourquoi? Dites-moi tout. Sandra Lomax était amoureuse de Paul, comme moi. Et il nous faisait marcher, toutes les deux. Et ça l'amusait beaucoup de nous voir nous disputer pour lui. Et ce soir-là, il nous encourageait, il nous faisait boire. Et j'étais tellement ivre que je ne sais plus ce qui s'est passé. J'ai une sorte de vague souvenir. Quand je me suis retrouvée seule avec Sandra, la dispute qui nous opposait est devenue plus violente. Mais je ne suis sûre de rien. Je vois tout comme dans un rêve. J'étais complètement ivre. Quand j'ai émergé, Sandra était étendue à côté de moi, morte. Et j'ai trouvé ceci. Dans ma main, ce coupe-papier, il était couvert de sang. Je suppose que c'est moi qui l'ai tué. Et vous ne vous rappelez pas de l'avoir frappé? Non. Je vous l'ai dit, j'étais complètement ivre. On peut faire tellement de choses quand on est ivre. Oui, c'est possible. J'imagine que vous gardez ce coupe-papier comme souvenir. Respirez profondément, inspecteur Lévin. Oh, j'ai jamais vu un enragé pareil. Je lui ai dit que j'étais un flic pacifiste, il n'a pas voulu me croire. Vous allez être opéré dans quelques minutes. Ne vous agitez pas, vous allez avoir de la fièvre. Si vous me disiez ce qui s'est passé. C'était horrible. Horrible. Quand je suis arrivé ici, Lévin était suspendu à cette poulie. Il avait le visage violet. Avant que j'aie eu le temps de réaliser ce qui s'était passé, Gronski s'est jeté sur moi. Ensuite? C'est tout ce que je me rappelle. C'est bien vous qui étiez de garde? Oui. Alors? C'était pire que l'ouragan qui a ravagé la Californie. Et pour vous, docteur? Je ne peux rien ajouter à cela. Nous devons attendre que l'inspecteur Lévin soit passé sur les billards. Ce ne sera pas long, j'espère. C'est très difficile à dire, lieutenant.
voyons, ne soyez pas timide. Si vous voulez guérir, je dois connaître la nature de votre maladie, monsieur Norman. Hein? Je vais être plus claire. Est-ce que vous désirez des massages pour tonifier les tissus, des effleurements ou... Oh, je ne sais pas, je suis nerveux. Oh, mais c'est pas grave du tout. Nous avons la technicienne qui pourra vous aider à faire tomber votre tension. Merci. Miss Jord? Oui? Voulez-vous vous occuper de monsieur Norman? Voulez-vous venir, monsieur Norman? Oui, comme mes autres clients, appelez-moi Benny. L'agent avec plaisir, Benny. Entrez, mon au revoir, monsieur Douglas. Au revoir, Piggy. Tu vas demain? J'espère. Vous rentrez chez vous et vous faites un bon dodo. Oh, à nous. Cher monsieur, avant que j'établisse votre fiche, est-ce que je peux savoir qui vous a recommandé notre maison? Du calme, ma belle, je n'ai pas besoin de massage, je veux voir l'homme de Cro-Magnon. Je ne vois pas du tout de qui vous parlez. Gronski. Et ne me dites pas qu'il n'est pas par ici. Est-ce que vous êtes de la police? Si j'étais flic, je me serais fait précéder d'un tank. Pourquoi pensez-vous qu'il est ici? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Qu'est-ce que vous lui voulez? Allons, grouillez-vous, notre ami m'attend, il va tout casser dans la baraque. Vous devriez essayer de comprendre. Je voudrais tout de même pas qu'il ait des ennuis. Valdo, avoir des ennuis? Hé, hey, je déteste qu'on arrête la télé quand on passe la vie et la mort des mollusques. Tu les retrouveras la semaine prochaine. Est-ce que je t'ai envoyé chercher? Mais poulet chéri, moi j'ai cru que vous étiez d'accord. Mais ça va, barre-toi, barre-toi. Je veux causer avec mon associé. Oui, bon. Pourquoi tu l'as tué, Waldo? T'es entêté. Hé, hey, si je t'ai engagé, c'est pour me tirer de là et pas pour être questionné. Je comprends, je ne te parle pas de la petite espagnole, je te parle de Sandra. Si je l'avais tué, je saurais sûrement où la trouver, qu'en penses-tu? Et d'abord, pourquoi est-ce que je l'aurais tué? Parce que tu savais qu'elle était amoureuse de Paul. Tu l'as su dès le début. Ouais. Oui, c'est vrai. Je les ai même surpris une fois. Peut-être même deux. Comment se fait-il que Paul soit encore en vie? J'ai mes raisons. Il a sorti son couteau. Et j'ai horreur des genoux qui vous mettent un couteau sur la poitrine. Alors je vais prendre la lame des mains et je vais graver mes initiales sur les fesses. WG. Oh, c'est très joli à voir. J'ignorais que le fils Mongar aimait jouer du couteau. C'est un spécialiste. Pourquoi tu sais tant de choses sur Paul? Eh, fais marcher tes méninges, tu trouveras. Je crois que j'ai une petite idée. Il t'informait des gros pokers qui avaient lieu dans les boîtes de son père et tu passais rafler le fric. T'es fortiche. Si on réfléchit, on était presque associés. Jusqu'au jour où tu as ramassé le paquet et il a été dire aux flics où ils pouvaient le trouver. C'est pas Paul. C'est la fille qui m'a vendu aux flics. Paul avait pas de raison de bousiller une affaire pareille. Ce jour-là, j'avais empoché 170 000 dollars. Non, c'est Paul qui les a empochés. Ensuite, le partage a eu lieu. Tu as refilé ta part à Sandra et lui s'est arrangé pour qu'elle lui donne tout. Et ma sortie de prison, il l'a fichu à long. Il avait peur qu'elle me dise qu'il me doublait. Dépêche-toi, on s'en va. Où est-ce qu'on s'en va? Proposer un marché. Un autre jour, je dois m'occuper de Paul. T'as tout ton temps. Et je te promets que tu pourras même graver ton nom en relief. Où ça? Sur ses fesses. Tu te sers vraiment très mal de ton cavalier. Je ne devrais pas le risquer au centre. Injuste. Anne. Quitte, entrez donc. Asseyez-vous. Je vais tout dire à la police. Oh, Quitte. Ma chère enfant, vous devriez oublier toutes ces choses. Vous devriez continuer à vivre comme s'il ne s'était rien passé. Il s'est passé beaucoup de choses. Sandra est morte. C'était un accident. Vous n'aviez pas l'intention de lui faire du mal. Je vous connais. Ce n'est pas la première fois que je vois des accidents de ce genre. Si c'était un geste prémédité, ce serait grave, mais ce n'est pas le cas. Je le sais mieux que personne. On ne peut rien vous reprocher, sauf peut-être de vous laisser aller à boire un peu trop. Al, je regrette de vous décevoir, mais je ne peux plus me taire. On peut toujours se taire, mon petit. Les amis sont là pour vous y aider. Quand on est désemparé, on doit pouvoir compter sur eux. Ne vous faites plus de soucis, Kate. Tout se passera bien. Tout se passera bien pour elle. Tout se passera bien? Mais elle va tout raconter, il va falloir qu'on la descende. Tu veux la descendre? Mais pour qui tu te prends au juste? Pour Al Capone? Non,
Mais je suis le fils d'un homme qui a été quelqu'un. À ton époque, on parlait souvent de toi comme d'un caïd de la mafia. C'est fini. Enterré. Tu crois? Mais je ne vois pas ce que je peux être à part le fils d'un truand. Ce que j'ai été autrefois, ce que j'ai fait, tu devrais l'oublier comme moi. Je te remercie de ton conseil. Mais toi, n'oublie pas que si elle leur dit ce qui est arrivé, tu es cuit. Elle ne leur dira rien, ne sera pas ridicule. Tu as raison. Elle ne parlera pas, je m'arrangerai pour ça. Laisse cette fille tranquille. Et pourquoi? Demande-leur ce qu'ils en pensent. Tu as retiré des affaires, non? Tu n'as pas cessé de le dire. J'essaie d'avoir une vie sans histoire et tu veux me faire revenir en arrière de 20 ans et dire que j'espérais que mon fils serait honnête et qu'il réparerait toutes les saloperies que j'ai faites. Moi, je ne te reproche pas tes saloperies. Je préférais ce que tu étais avant. Tu avais de la classe. Beaucoup de classe. Hé, emmène Pépé là-haut et colle-le devant la télévision. Il va bientôt être l'heure de Bonne Nuit les Petits. Allez, Pépé, monte. Monte. On aurait pu avoir de beaux enfants, l'intelligence des Moongars et la beauté des forêts. Dommage que tu aies eu des scrupules de conscience. Oui, c'est dommage. Tu sois complètement fou, hein? Tu crois que tu vas m'avoir avant que la police te coffre? Du calme, Waldo, arrête. Je ne te savais pas si bête, homme. Tu le seras encore plus que moi si tu crois que tu vas te servir de ce couteau. Les flics pensent que j'ai tué Daniel, mais nous deux, nous savons que c'est pas vrai. Ah oui? Qu'est-ce que tu penses d'un marché? Parce que toi, tu as quelque chose à me proposer. Notre ami. Moi? Toi. Mais qu'est-ce que je peux en faire? Ouais. Tu as besoin de te sortir du meurtre de Lomax. C'est un pigeon parfait. Un pigeon, ouais. Dis donc, Paul, je sais pas si c'est important ou pas, ton père dit qu'il préfère les films de gangsters. Alors je lui ai mis la brigade du crime. Ça va? Ça va et toi? Oh! Comme je te le disais, il te faut un pigeon. J'en ai un, figure-toi, Kit Forrest. Tu as tort. Le coupe-papier avec lequel elle croit avoir poignardé Sandra ne couperait pas une tranche de pain. C'est un boulot de professionnel. Ton ami? Mon ami. Alors, Gronski paiera à ta place pour le meurtre de Sandra et tu fournis un pigeon pour le meurtre de Daniel. Mais ce n'est pas une mauvaise idée. Je te donne un de ces minables pour elle. Et Gronski paye pour Sandra. Ça va, je suis d'accord. Ah, il est gonflé! Hé, hey, Waldo. Ouais. T'as une seconde? Maintenant? Oui, maintenant. Je suis un peu occupé en ce moment. T'as intérêt à faire une pause café. Ouais. Attends-moi là, je reviens. Hé, hey, tu raconteras ta vie après. Laisse-moi parler d'abord. Je t'écoute. T'étais sérieux tout à l'heure, quand tu voulais me donner à ce fumier? À la façon dont tu cognes cette saison, ça aurait été une folie. Ouais, t'es un gentil garçon. La criminelle, Santini. Qu'est-ce que tu as dans la main? 2-9. Pas assez, trois rois. Père ou impair? Père. Trois. Deux. T'as perdu. Oh, je perds toujours. Et maintenant, va chercher ton équipement et allô. Si tu veux. Mais je ne comprends pas pourquoi nous devons aller à la chasse au trésor alors que j'ai une fortune de 30 millions de dollars. Kit. Oui? On laisse tomber la chasse au trésor. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une meilleure idée.